Donc, petite vidéo vite fait sur un clone de la machine qu'on a fait avant-hier. Vous vous rappelez la machine rétro où on avait élevé nos privilèges. Sauf que là, ça marche pas. Je suis en train de faire sa petite sœur. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a vu. Mais par contre, quand je lance le certificat et que j'essaye d'abuser du certificat, hop, là, ça marche plus. Je suis bloqué. Donc, il faut trouver une autre solution. Ce que j'ai vu, je vais vous montrer aussi une faille. Bah, si vous êtes sur des vieilles machines, ça peut toujours servir. Si je fais un système une fois. Donc, on voit qu'on est sur un 10.0.14.390. Alors, il y a une faille. Peut-être. Ah, il est où notre ami? Chinois là. C'est Quickie. Exact. C'était celui-là. Hein. 2017, 2013, x64. Je me trompe. Ok, donc là, il faut x64. C'est quoi un petit? Quel occupant? Ah, yes. Et voilà. On est route, bébé. On est route de chez route. Donc, c'était bien un problème de binaire. Donc, vous voyez comment on est. Pareil, super facile. Comme escalade de privilèges, ça crée tout un sorte de fichier. Ça crée un objet com. Et, bah, voilà. Un objet infecté active X. Malicieux, un demi, et bah, ça abuse d'une faille dans le langage de programmation, le com, ok, OLE, et bah voilà. On ouvre, on est admin, et on est les rois du pétrole. Et maintenant, bah, en théorie, c'est des desktop user, c'est des add, voilà, dire, c'est des desktop, dire, et on a notre outil. Type route. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé.